Salut et bienvenue dans un nouvel vidéo. Aujourd'hui, ça va faire 20 jours que je suis au Mans. Et honnêtement, la jour que je filme cette vidéo, je ne sais pas si j'ai pu te montrer les autres vidéos que j'ai tournées en Oman avant. Parce que si je suis là, c'est parce que mon disque dur il est cassé. Et j'ai eu de revenir à Muscat pour essayer de le réparer et pas perdre tous les archives que j'avais filmées en rentrant à ce magnifique pays que je peux vous dire qu'il est en train de m'énamorer. J'ai passé 20 jours de rêve dans des oasis remplis de palmiers et des plages paradisiaques. En plus, j'étais accompagnée de mes amis, donc que mieux que commencer mon tour pour ce pays avec des gens que j'apprécie, que j'aime. Mais là, je suis de nouveau à la ville, que là je ne suis pas à la ville, je suis venue à un petit village à côté qui s'appelle Kantab, que franchement, si vous passez par Muscat, vous ne pouvez pas rater cet endroit, il est vraiment un petit coin de paradis. Et là, j'attends qu'ils me donnent un diagnostic et un devis pour mon disque dur. Mais comme je déteste attendre, et Oman, c'est un pays très riche en des choses ou des aventures à faire, on va faire sa tente un peu plus cool. Moi, c'est Mia. Et un jour, j'ai réalisé que j'ai préféré regretter les choses que j'avais faites plutôt que celles que je n'avais pas tentées. C'est comme ça que j'ai intégré Patrick dans ma vie et nous sommes devenus nomades. Patrick, c'est mon camion. Si j'ai choisi de voyager seul, c'est pour embrasser mes pères, célébrer les réussites et apprendre de mes erreurs pour devenir une meilleure version de moi-même. Mais surtout, c'est pour garder les meilleurs de chaque expérience, parce qu'une fois la fête, ça sera fini, la seule chose qui me restera, ça sera mes souvenirs. Kantab, c'est un village de pêcheurs, petit, mais ce qui est cool, c'est que c'est à 13 km de Muscat. Donc à moi, ça me permet de faire les allers-retours pour aller chercher mon disque dur. J'adore ce village parce qu'il a encore les charmes et l'authenticité de la communauté omanie. Et aussi, il y en a pas mal d'Européens qui vivent ici depuis un moment. Et j'ai eu la chance de pouvoir rencontrer certaines. Et aujourd'hui, j'ai profité de pouvoir les faire une petite visite. Et la première que je vais aller voir, c'est à mon ami Stefano, qui habite ici depuis 12 ans. Et il m'a permis de faire une machine à laver. Donc, c'est une des choses que, même s'il y a une petite machine à laver dans le camion, la couette, les draps et des choses comme ça, bah, c'est cool d'avoir une vraie machine à laver pour la laver de vrai au moins une fois l'année. Quoi. On est dans Wadi Sal, en plein milieu de les montagnes, à une heure plus ou moins loin de Muscat. Je suis venue jusqu'à là avec de l'aide de les locaux, mais je vous raconte cette histoire un peu plus tard, parce que je voulais grimper. Vous savez que Raph m'a monté à grimper il y a quelques mois et j'ai envie de grimper tout le temps. Mais la grimpe, c'est une activité de laquelle tu as besoin d'un binôme. Et je ne suis pas tout le temps avec des gens, il n'y a pas tout le temps des gens qui veulent m'accompagner à faire des choses. Donc, j'ai trouvé les moyens de pouvoir grimper toute seule. Donc, je vais grimper aujourd'hui ici. Je vais grimper un bloc, en anglais ça s'appelle des bouldering. Et c'est un moyen de grimper sans corde que tu peux réaliser toute seule. Parce qu'en fait, on ne grimpe pas en hauteur, on grimpe en arrière. Donc pour la petite histoire de comment j'ai trouvé cet endroit, que je trouve que c'est un moyen chouette si vous voulez voyager seul et rencontrer quand même des gens, c'est que voilà, je voulais grimper, j'ai demandé à mes amis, personne ne voulait venir, donc comme moi je n'aime pas attendre les gens à qui sont en vie pour pouvoir faire les choses, je me débrouillais moi-même. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai rentré dans Facebook et en Facebook en fait il y a beaucoup de groupes. J'ai tapé grand-père Oman. Il y a un groupe de grands-pères qui a sorti dans les recherches.
J'ai posté un petit message en me présentant, disant qu'il était un homme, que je voulais grimper et qu'il était toute seule. Et cette même journée, il y en a trois personnes qui m'ont répondu. Et du coup, un d'eux, il était disponible pour pouvoir grimper hier soir. Donc, c'est Bodhi que j'ai rencontré hier soir, qui m'a montré cet endroit. Il est venu avec moi. Et en plus, comme lui, c'est un grimpeur un peu pro, il m'a prêté son crash pad, que c'est... Je vous montre. Un crash pad, c'est en fait un petit matelas qu'on peut déplier comme ça. Si je tombe, je tombe sur ça et pas sur les cailloux, donc je me fais moins mal. Mais bon, ça, je vais vous le montrer un peu plus tard, quand je vais commencer à grimper. Mais du coup, je voulais pour finir vous expliquer cette histoire des groupes Facebook. C'est une manière assez facile de rencontrer des locaux. C'est une manière assez facile de rencontrer des gens qui veulent faire les mêmes activités que toi dans un pays. Parce que si tu voyages toute seule, c'est vrai que parfois, tu es toute seule, tu ne peux pas tout faire. Donc, ça m'a plu. J'ai rencontré des personnes qui grimpaient, qui m'ont montré cet endroit. On a grimpé hier soir jusqu'à tard. Ils m'ont montré des techniques. Moi, j'avais jamais fait des blocs avant. Donc, ils m'ont montré des techniques pour pouvoir le faire moi-même. Aujourd'hui, eux, ils travaillent. Peut-être qu'ils vont venir ce soir. Mais sinon, on a décidé que demain, on va aller à faire à montagne avec la grimpe en corde ensemble. Donc voilà, c'est chouette pouvoir rencontrer des amis, faire des nouvelles amies, des connaissances. Et en plus, pratiquer des activités que tu aimes avec des locaux dans des endroits là où tu ne connais pas. Je voulais vous donner ce petit tips parce que je trouve que parfois, il y a beaucoup de monde qui me demande comment est-ce qu'il arrive à rencontrer beaucoup de locaux. Et c'est la première fois que j'ai fait ce truc des groupes Facebook. Et franchement, ça marchait super bien. Donc, je vous le conseille. Ouvrez-vous un compte Facebook et cherchez des groupes si vous voulez faire des activités avec des locaux. C'est chouette. L'endroit où je suis, c'est un wadi. Et c'est assez joli parce que c'est un canyon. Tu es vraiment entouré pour des montagnes. Et je suis vraiment toute seule ici. Il n'y a personne. C'est cool parce qu'il y en a un mur là. Il y en a un mur là-bas derrière. Il y en a encore un mur un peu plus loin. Hier, on m'a expliqué exactement c'est quoi un wadi. Et en fait, c'est un canyon pour lequel l'eau il court quand il pleut beaucoup. En fait, Oman, il est tellement sèche que la terre il n'arrive pas à absorber de l'eau quand il pleut. Et il y en a des grands courants d'eau qui s'il y a un jour qui pleut beaucoup, en fait, l'eau, il vient de les montagnes jusqu'à la mer, mais il vient tellement rapide et en tellement quantité que le terrain, il n'arrive pas à absorber et il ramasse tout ça qu'il prend. Donc, il m'expliquait que, pour exemple, j'ai trouvé ça curieux parce qu'il m'a dit, lui, il a un guide, il a fait un topo parce que c'est lui qui a découvert ces rochers. Donc, que d'ailleurs, je vous laisse dans la description les guides parce que je trouve que si vous regardez ces vidéos, peut-être que vous voulez grimper au Noman, donc vous avez les infos. Il me disait que de cette prise-là jusqu'à la première prise qu'il y en avait, il y en avait 2 mètres de profondeur. Et là, vous voyez, il n'y a même pas 50 cm qui restent. Donc, ça veut dire qu'il me disait que chaque fois qu'ils arrivent à ces wadis, à ces cailloux, le terrain, en fait, il a changé. Et qu'à chaque fois, il doit adapter les topos, il s'agrampe à la condition du terrain. Et que c'est souvent comme ça, quand tu grimpes dans des rochers, dans les wadis, que les terrains, en fait, ils changent. Il y en a des prises, il y en a des parois qui, en fait, ils n'existent plus. Et que parfois, avec ses potes, il vient avec des pelles là, pour creuser et revenir un peu à ça qu'il était parce que sinon c'est impossible, il arrache tout. Et moi j'étais là ici hier et il me disait, en vrai le terrain tu vois que c'est quelque chose qui c'est l'eau qui l'a mené. Mais il m'a dit qu'en fait il n'y a pas une saison sèche ou pas sèche, qu'il y a parfois qui pleut en été et parfois qui pleut en hiver. Il m'a dit qu'il ne pleut pas, il pleut pas beaucoup de jours, mais par contre, quand il pleut un jour, il pleut beaucoup. Et que ces moments-là qui pleut, en fait, il faut courir en dehors du wadi parce que c'est vraiment très dangereux. Il y en a beaucoup de monde qui sont morts dans les courants du wadi. Donc il m'a dit que si je vois qu'il y a des nuages ou qu'il y a des vents forts qui se lèvent, qu'il faut que je sorte d'ici. Donc c'est quand même un endroit assez engagé, mais franchement, les formations de les rochers, ça me fascine quoi. Thank you.
grimper dans les blocs là, tu peux pas grimper pour de longues périodes de temps parce que les mains là, je laisse presque en sang. Et si je vais grimper demain, il faut que je fasse quand même attention. Et c'est cool parce que, comment je suis toute seule là, par d'avoir un matelas pour faire la sieste, de pouvoir crier, mettre ma musique et être vraiment à l'aise ici, j'ai été intelligente et j'ai amené un tupper avec la nourriture. J'aime bien ces tapers parce qu'ils sont en bambou, ils sont en acier. Donc super cool, recyclable, tu sais, écologique. Je me fais une petite salade. D'ailleurs, si vous aimez la marque, c'est la marque qui utilise des produits éco. Et le lien, c'est là, dans la description. Et vous en avez, je pense que c'est un 20% de réduite. Si vous. De réduction. Si vous utilisez mon code. Vous savez, je ne fais pas beaucoup de pubs parce que je n'aime pas la consommation. Et en fait, je voulais faire une vidéo pour vous expliquer un peu tout ça. Mais il y en a des produits que j'aime bien, comme celle-là, que ça ne me dérange pas de faire la pub parce que même si on ne me paye pas, je trouve que c'est des marques qui devraient avoir la valeur parce qu'ils font attention quand même à l'écosystème et à la planète. Du coup, je pense que ça vaut le coup de les donner de l'importance. Et là, je vais manger ma salade. Je voulais vous raconter quelque chose, mais avec cette histoire de la pub qui n'était pas prévue, j'ai oublié. Je voulais enfatiser sur le fait de que je vous répète ça souvent dans les vidéos, mais je pense que l'importance de les connexions humaines avec les locaux, c'est quelque chose qui enrichit. Ça fait 6 mois que je parle français dans les vidéos et je n'arrive jamais à dire ces paroles. Enrichit, je ne sais pas. Beaucoup les voyages, parce que imaginez-vous, si je ne me mélangeais pas autant avec les locaux, si je ne ferais pas pour me mélanger avec les locaux, je n'aurais jamais trouvé un endroit comme ça. Hier, j'étais avec eux, aujourd'hui, je suis toute seule, j'ai pu profiter d'une journée pour moi, en faisant ça que j'aime, m'en prêter des matériels pour pouvoir être plus à l'aise. Et demain, on va m'amener à un autre endroit. Et ça, je n'aurais pas pu le faire toute seule. Parce que comment tu trouves exactement cet endroit? C'est sûr que si je cherche, je trouve, logiquement. Mais que c'est cool de découvrir à travers les yeux des locaux. Et je pense que même si parfois on a cette première avis d'avoir peur sur les gens inconnus et des choses comme ça, je pense que c'est important de s'ouvrir aux gens. Je pense que c'est important d'apprendre des gens. Et c'est en fait les gens qui t'apprennent des curiosités sur la Terre, comme pour exemple ces histoires des Wadi. Des autres choses que je vous raconterai plus en avant dans les prochaines vidéos. Sur des villes et sur des choses comme ça que j'ai trouvé vachement intéressant sur la culture omani. Et que meilleur qu'un loco pour te raconter des caractéristiques peculières de pays. Donc c'est pas parce que je suis une femme toute seule que je peux pas me mélanger avec des locaux. C'est souvent des garçons dans les pays arabes, on va pas se mentir, mais vraiment les pays arabes ils te donnent une sécurité qu'en Europe, on n'en a pas. Et je sais que je peux rentrer dans la voiture à quelqu'un et me sentir en sécurité parce qu'ils ont un respect très profond envers la femme. Même si en Europe, on ne le voit pas de cette manière, la culture arabe, elle a vraiment un respect énorme pour les femmes. Et ils me sentent très en sécurité ici. Et n'hésite pas si vraiment tu veux savoir plus sur la relation entre les hommes et les femmes, ou entre moi et les hommes ici dans les pays arabes. Je pourrais faire une vidéo en parlant de ça, donc si ça t'intéresse, tu peux me le laisser dans les commentaires et un des prochaines vidéos, ça parlera de ça. Voilà. Parfois je ne rentre pas dans des sujets que je ne sais pas s'ils sont intéressants, mais si vous voulez que je vous parle de quelque chose, vous me le laissez dans les commentaires et moi je suis au plaisir de vous le faire. Parce que finalement, c'est cher, c'est un échange entre toi et moi. Donc, laisse-moi qu'est-ce que tu veux savoir dans les commentaires. Nouvel jour, nouvelle aventure. Et j'espère que là où il y a moins de vent qu'ici. Parce que je ne peux pas fermer la porte. Hier, j'ai fait mon premier bloc. Et aujourd'hui, je vais faire mon premier mur de grimpe. Oh non, man. So. Nice. On m'a donné cette fruit. Il m'a dit qu'il s'appelle mangosteen. Et franchement, je ne sais pas si vous avez goûté,
Mais franchement, c'est le truc le plus bon. Il m'a dit que normalement, il faut jeter les graines, mais il les a mangées, ils sont bons. C'est cool parce qu'en fait, elle, c'est la première fois depuis un an qu'elle grimpe. Parce que dans ces mêmes, pas dans ce bois, mais un bois juste un peu à côté de l'autre qu'on a fait avant. Et là où un grave accident, elle a tombé. Et il a eu un chute assez fort et elle s'est cassé la cheville. Et du coup, il a eu de faire des opérations. Il a des clous dans les chevilles. Et ça fait un an qu'il n'a pas osé grimper pour la rééducation et tout ça. Et maintenant, c'est la première fois. Et du coup, elle a trop peur, mais c'est beau parce que même si elle a peur, elle est là en train d'essayer de le faire. Et je crois que c'est ça, vaincre ses peurs, c'est l'important pour pouvoir réussir à se sentir plus fort. Et elle adore grimper, donc elle est là, en train de se battre contre ses peurs et contre la manque d'entraînement aussi. Parce que je viens de la faire et je vous dis que cette voix, elle est chaud patate quoi. Yeah. Let's go, girl. Come on. You got it. Yeah. Yes. Come on. You got it. Yes. Come on. If you put your feet up, it's gonna be easier. Nice. Yeah, nice. Love it. You're a brave woman. Thank you. How do you feel? Amazing. It was not as bad as I thought it would be. You are completely recovered right now. I know. You are it's a climber like again. Nothing happened. Love That's it. Important. Good. Et voilà, elle a monté comme une grande fille. Elle a monté toute seule et maintenant, elle est prête pour grimper de nouveau. Voilà. Faut vaincre ses peurs, les amis. Il faut vaincre ses peurs. Moi, j'ai fait des thés avec les épices masala del poisson. It smells nice, though. It's good. You will see. Maintenant, il y a un Indien qui va le goûter vraiment. No, but it smells nice. It's good, right? Yeah, it's good. It's good, huh? Yeah, nice, nice! It's biryani water. Parce qu'en fait, je prends les épices des poulets, des masala qu'ils vendent ici dans le supermarché. Et moi, je fais des thés. Chicken biryani tea. Like, it's good, no? It's like drinking biryani. Biryani? What is biryani? The rice with chicken. The spiced rice, the spiced chicken. And it's spicy thing. Because it's pepper. I mean, it's the paprika inside. Yeah, I know it's paprika. It's no, it's okay. pepper. It's it's cinnamon. It's clove. Yeah. Bay leaf. A lot of these small coriander things. Yeah, yes, yeah. Coriander seeds. I mean, I can smell like a lot of what do you call this? Clove. Clove and the cardamom. Cardamom as well, a lot. Bay leaf and cinnamon. Cinnamon, there is a lot because I love it. It is actually really nice. Thank you. How it is? Good, huh? And it's like drinking soup, but you're also incentivized to drink more because you're like, it's tasty. It's diluted. I mean, it's not the full tea that I made it. I can do later. Okay. Because it's a stronger. This so it's diluted, yeah. I mean, this is perfect. It's good. No, this isn't good. But when it's a strong, it's more spicy and it's better. Yeah, I mean, you feel it is going down. It's like down, drinking curry, but. Si les Indiens, ils m'ont donné les feux verts, c'est que c'est bon. En fait, ils disent que ces dessins qu'il y a ici, c'est des dessins préhistoriques. Il y en a pas mal dans le rocher parce que c'est un endroit là où il y en avait des grottes avant dans ce canyon. Et ils disent qu'il y en avait des personnes qui habitaient là. C'est des dessins qui ont été protégés pour les locaux. Mais c'est curieux que putain, on est en train de grimper dans un mur là où des gens, il y en a, je ne sais pas combien des années, ils s'écrivaient quoi. Yeah, the arrows, that makes no sense to me. People on animals, right? Animal, you can see a man holding something. Either on a person's on a donkey or a horse. Here, this like on an animal. That's good. On va aller chercher à notre bois un peu plus loin. Là, on avait commencé parce que là, il y a la ombre. Il fait moins chaud parce que même si on est en hiver ici, on est à 30 degrés là où on est. Et la roche, le rocher, il est chaud et du coup, ça te brûle les mains. Il y en a des différentes classes de rochers ici. Il y en a ceux-là qui ont bien dégrimpé, qui c'était vraiment trop lisse. Et là, dans ce côté, c'est un peu plus piquant. Ça fait un peu plus mal à les mains, mais c'est mieux pour s'accrocher. Au moins, ça, c'est mon point de vue. C'est pas dans le point de vue technique, vu que je ne suis pas un pro. Mais c'est vraiment trop joli, l'endroit là où on est. Regardez, je ne sais pas si vous pouvez voir. Mais c'est... Ça me rappelle un peu
à comment c'était l'Arménie, quoi. Les endroits là où on avait grimpé en Arménie, c'était un peu comme ici. Mais c'est vraiment impressionnant de voir ces murs de rochers comme ça, d'avant moi, quoi. C'est depuis l'hiver qu'on grimpe et moi j'ai demandé de faire la dernière parce que, comme vous savez, bah, c'est difficile de trouver quelqu'un pour grimper. Donc ça va me manquer. J'adore grimper, j'adore avoir les mains comme moi. Et il va faire une dernière. Voilà. Parce qu'il faut profiter de la vie et de les moments. Parce qu'on ne sait jamais quand est-ce qu'on a une autre opportunité de pouvoir grimper. Et ça, les amis, c'est quelque chose que moi, je vais profiter. Now I know it, I will forget in 2 days again. I think I have to find a rope, a piece of rope, and then do it. Ah, this one are different, yeah? Yeah. Glued. Come on, you got it. Ah! Oh. Nice. And I swear you, my adrenaline levels are pretty high right now. Oh my gosh. Come on! Woo! Nice, nice. Fuck! Yeah! Je pensais pas que j'allais réussir depuis le début. J'ai mis 15 minutes à faire ma première, si ça, on est dire. Je suis fière de moi-même, franchement. J'ai eu trop peur, c'est la première fois que j'ai fait en tête. Franchement, je suis fière de moi. Et j'adore, chaque fois que j'ai fait un truc comme ça, le sentiment que j'ai de peur, du coup, tu vois, c'est pas une blague. Il tremble, sa mère, mais. Let's go! Oh my god, I was super scared all the time! Wow, I feel like a superhero now. Wow. It was amazing. Amazing. Wow. Wow, je n'ai pas de paroles pour décrire qu'est-ce qu'ils viennent de vivre. Wow. C'est la seule chose que je peux dire. Tout de suite. J'adore grimper. Regardez mes mains. C'est tout griffé parce que les rochers ici sont pointus. Et ça fait mal, hein. Mais wow. C'était incroyable. Oh. On a fini notre séance de grimpage. Je me lavais les mains. J'ai les mains, vous pouvez voir, sont rouges. On est venu jusqu'à un petit endroit pour manger de la nourriture locale. Parce qu'on va faire quelque chose que, encore une fois, si je n'étais pas avec des locaux, je n'aurais jamais trouvé. Oh, donc on va manger. Et après, je vous montre ça. Cheese and zaatar. Okay. Oh, wow. Cheese, honey, and one cheese egg. Yeah. What's the name? Zaatar. Mm. Oh, wow. Mm. Oh, wow. Mm. C'est comme une espèce de crêpe avec des herbes dedans et avec des fromages. Et c'est vraiment trop bon. Mais je dirais que la pâte, elle est assez différente que la pâte d'un crêpe, c'est un peu plus dur. Papa, c'est trop bon. Première fois que je goûte ça. Ça, c'est le thé qu'ils font en Oman, que c'est un thé avec des miels, avec des herbes et avec des laits. Moi, je suis intolérante à la lactose, mais j'espère qu'il ne va pas avoir la chaise après avoir vu ça. C'est bon, mais c'est chaud. Bon, j'ai eu de m'échanger à la voiture. Parce qu'on va aller dans des termes d'eau chaude naturelle. Je suis fan des termes, vous savez, on m'a proposé ça quand on était en train de grimper pour se nettoyer un peu
le cul avant de se coucher. Il y en a roulé peut-être 20 km, 30 km et on est arrivé ici. Et j'ai eu de ma vie un peu différente parce qu'ils m'ont dit qu'il y a beaucoup de familles et on est dans un village. Et c'est pas comme à la plage que tu peux être vraiment en bikini parce qu'il est le plus touristique. Ici, vraiment, il n'y a que des locaux qui viennent. Et du coup, pour pas faire que les gens ils se sont mal à l'aise, bah, j'ai mis un t-shirt et un short. On verra s'il y a beaucoup de monde. J'ai porté un maillot en dessous. Je sais pas s'il va y avoir de lumière, je sais pas si vous allez me voir, mais je vais essayer à vous le montrer. On m'a dit que c'est une espèce de jacuzzi, donc on verra bien. Et là, il était chaud. C'était vraiment une super cool expérience. Il y en avait un trou qui était un peu profond. J'ai pas pu filmer beaucoup parce qu'il y a l'eau, j'ai paniqué ma caméra et parce qu'il n'y avait pas de lumière, donc vous allez pas voir non plus. Finalement, j'ai même baigné en maillot parce qu'il n'y avait pas de lumière, donc on s'en fout. Mais c'était cool. Et là-bas, ils disent que là, en bas, en fait, il y a des petits poissons qui te mangent les pieds. Là-bas, il y a la rivière. Et on ne va pas tester parce que là, honnêtement, je suis pas mal épuisée après la journée qu'on a eue. Donc je pense que là, la mission, c'est on retourne au camion pour me déposer. Et Mia, il va faire un gros dodo. Donc, je ne voulais pas quitter la vidéo sans vous dire une chose. Peu importe là où vous êtes, je pense que c'est important de perdre la peur de parler aux gens, de se mixer avec des gens différents, soit des locaux, soit des gens qui habitent là. Que, bon, eux, ils sont indiens, mais c'est des locaux parce qu'ils habitent là. Parce que même si vous pensez qu'un pays, ça peut être dangereux, c'est au feeling, vraiment. C'est, les gens, ils sont super accueillants à chaque fois avec moi. Et c'est pour ne pas avoir peur de l'inconnu que j'ai pu réussir à avoir des expériences comme aujourd'hui, que c'était une journée de A à Z incroyable, que c'est de la main des gens qui habitent là. Et du coup, je sais que parfois ça fait peur, et parfois vous pensez que c'est dangereux, mais c'est en faisant attention à notre instinct que nous, on peut écouter vraiment notre cœur et savoir si la personne qu'on a en face, elle est dangereuse ou pas. Je vous conseille d'aller sur les groupes Facebook pour trouver des gens. Et je vous conseille de ne pas avoir peur de parler à les inconnus parce qu'ils font les voyages uniques. Et c'est la seule chose que je vais vous dire. Ça, que si vous voulez me donner un peu d'amour, vous pouvez faire un like. Et que si tu n'as pas abonné encore à la chaîne, bah, tu vas rater beaucoup de choses dans les prochaines vidéos. Donc, je vous dis à plus dans les bus. J'allais partir sans vous raconter qu'est-ce qui s'avait passé avec mon 10 jours, parce qu'à la fin de cette vidéo c'était parce que mon 10 jours il avait cassé et il y avait eu de venir à Muscat. Donc là, je suis au magasin et les gars, il va essayer mon 10 jours. Inch'Allah, ça marche. Ah, on a réussi à récupérer tous les fichiers. Donc ça c'est le magasin là où j'étais. Je vais vous laisser les liens dans la description. Si une fois vous êtes en main et votre 10 jours il casse et vous êtes niqué parce que tous vos fichiers ils sont à la poubelle, vous pouvez venir ici pour le récupérer parce que franchement les gars ils ont été hyper sympas, ils l'ont fait hyper vite, ils ont mis 10 jours même pas. Et vraiment, j'ai tous les fichiers, j'ai tout récupéré, c'était facile, rapide, j'aime bien, franchement, les top. Donc là maintenant, je vous dis à la prochaine vidéo. Salut !